Tu sais ce qui est compliqué? On pourrait... Non. Ou sinon... Oh non. Bon bah, j'ai plus d'idées. Désolée, finalement, je pense que je vais pas rentrer ce week-end, je vais rester tranquille à l'appart. Oui, oui. Je sais. Tu cuisines quoi? Un risotto aux asperges. Ah, au fait, je pense regarder Chef Top ce soir, ça vous branche? Ouais, désolée. Oui. Ok, à la semaine prochaine. La vache, t'as embaumé l'appart. Ouh, c'est mieux. Apéro ? Que l'on crève au cri du jour, importe peu de temps.
Mais un soir on se lassait, au lieu de ça nos nuits on les dort. Que je vous vois vacher sur votre bureau. Le travail n'est pas fait, Maurice. Vous arrivez en retard. Vous pouvez faire de ce que vous voulez de vos soirées. Mais si vous avez des responsabilités, c'est pas professionnel. La prochaine fois que je vous vois comme ça, c'est la porte. Boris ? Apéro ! Mais Boris ! Le travail n'est pas fait, Boris. Tant pis si mon ciel s'effondre. L'horizon n'est jamais sombre. J'ai tant de raisons d'y croire. Un nouveau départ pour entrer dans la lumière, viser la victoire et devenir légendaire. Arriver le premier sans remords et sans peur, embrasser les sommets, enterrer ses erreurs. Un nouveau départ. Un choc de le voir. Ouais, j'espère qu'il va bien. En même temps, je trouve qu'il a eu raison de suivre son instinct. Il y avait besoin de changement, je crois. Oh, c'est clair. Ce soir, Boris est chez lui. Il a éteint toutes les lumières. Il a son petit pantalon à pattes d'ef, rouge, pompe blanche. Ce soir, attention, Boris danse. Ce soir, chez Boris, événement, c'est soirée disco. Boris, on peut l'appeler ce soir, il s'en fout, il a débranché le téléphone. Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. Ouais, c'est compliqué. Ce soir, chez Boris, événement, c'est soirée disco. Boris, on peut l'appeler ce soir, il s'en fout, il a débranché le téléphone. Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. Go, go, go.